petite échalote ciné. Hop, voilà, un petit peu de poivre. Ça fait toujours ça le poivre dans les vidéos. C'est pas le bon poivre, mais je veux dire, c'est pas grave, c'est l'intention qui compte, monsieur. Qu'est-ce qu'on a là, chef? On a les arepas. L'arepa, le petit pain de maïs vénézuélien, émincé de poulet à l'intérieur, avocat fumé. Madame, venez goûter, s'il vous plaît. Monsieur, par ici, venez goûter. Je vais regoûter, mais ça me fait plaisir. Qu'est-ce qu'on a comme produit là? Donc c'est des burgers végétales. Végétales. On est sur du vegan, 100% végétal. Donc le steak, c'est le steak Imura. C'est 22 grammes de protéines. Il y a de l'huile d'olive dedans, parce qu'on aime bien mettre de l'huile d'olive dans nos produits, parce que c'est le meilleur gras du monde. Du coup, on a un produit qui est vraiment moins concentré en gras animal que le gras saturé, le gras animal. Donc voilà. Préparé sur place. Exactement. En direct. Alors, qu'est-ce que vous nous préparez là, chef? Des cheeseburgers Doritos. D'accord? Dans le cheeseburger Doritos, t'as la sauce nacho cheese, la petite tortilla que tu vois ici, du steak et du pain. D'accord? Qu'est-ce que vous présentez comme produit? Bonjour. Les Dao, magnifique, pour essayer, monsieur. Chariot, ici j'ai la manette, d'accord, j'ai envie de faire une, deux, trois, je fais une, je fais deux, et là une petite, allez, c'est plus qu'à faire, ouais. C'est comme on veut, d'accord, madame, vous voulez, d'accord, attention, c'est des machines. Faut faire attention, faut pas avoir peur de gagner de l'argent avec. Hein. Parce que je sais qu'il y a un tabou dans ce pays, alors.
Si vous les voulez juste une couleur comme ça, vous voyez, légèrement blonde, d'accord. Si vous mettez fort, vous allez les avoir tout de suite très brunes. Quoi. Donc après, c'est une question de goût. Hein. Je peux aller jusqu'à 300 degrés. Donc, Oui, alors pourquoi? Parce que là, on prend seulement pour vous. Je sais, c'est l'heure de la digestion, c'est dur. Pour après, parce que je ne veux pas déstabiliser les candidats. Ça sent l'Italie quand même. Ça sent l'Italie. D'accord, ok. Ok, ok. Ah, c'est un désolé. Oui, parce que souvent cette étape-là. Est-ce que, en quelques mots, si vous le souhaitez, vous pouvez me présenter quelques mots Ça, c'est le nigiri de saumon, juste snacké. Et puis après, avant, il y a un petit peu de mayonnaise pour ajouter un peu de gras, ça crie un peu mieux. Et dessus, il y a du tobiko, œuf de poisson volant, ça rajoute un peu de croustillant. C'est vraiment, ça éclate en bouche. Et juste un petit peu de ciboulette pour la fraîcheur, et aussi avec du zeste de citron vert. Il y a déjà de quoi s'habiller un peu dessus. Make the booty bounce on the dance floor.